Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle formation et surtout aujourd'hui je vais vous offrir 1100 hachures, rien que ça en DWG. Donc sans plus tarder je vous partage tout de suite mon écran. Alors c'est parti, bienvenue sur l'environnement que je veux vous offrir avec une formation. Donc dans cette formation vous découvrirez comment recréer des hachures, comment régler, vous savez, ce problème avec le fait que les hachures parfois ne suivent pas. Vous savez, quand vous modifiez un objet, il n'y a rien de plus pénible que les hachures, quand vous modifiez un objet, que ça ne suive pas. Je vous montrerai comment régler ce problème. Je vous montrerai aussi comment recréer facilement des contours de hachures annotatifs qui permettront, associatifs plutôt, qui permettront vraiment de suivre. Et voilà, on verra tout ça. Surtout, vous repartirez avec toutes ces hachures. Donc, il y a des gradients, il y a aussi toutes sortes de hachures assez rares. Et même, par exemple, si vous avez besoin de toutes sortes de choses, genre des tuiles comme ceci, eh bien, vous serez capable de copier ces hachures et de pouvoir les utiliser pour vos toitures, notamment pour tous vos projets, etc., etc. Donc, vous voyez, vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez grâce à ces 1100 hachures qui seront évidemment des produits en plus évolutifs où je pourrais en rajouter au fur et à mesure. Et puis, vous aurez accès, donc, comme je vous le disais, à cette formation ultra complète parce que, mine de rien, les hachures, ça ne s'invente pas. Il y a beaucoup d'options là-dessus. Voilà, alors si ça vous intéresse de récupérer tous ces hachures, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche et on se retrouve tout de suite pour la formation et vous repartirez avec vos 1100 hachures. Je vous laisse aussi vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Allez, à bientôt, ciao!